Cette phrase, le vaccin est un passage obligé, je pense que c'est très dangereux cette phrase. Quatre sauts. On dit maintenant, tous les quatre sauts constituent un tout. Mais ici maintenant, Mathieu dit, tous les touts que vous avez dit là, ça ne sera que le commencement de la doux. Donc c'est-à-dire qu'en Europe, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Les quatre que je viens de citer là, ça se fera avant l'enlèvement. Mais maintenant, ça ne sera que le commencement de la doux. C'est maintenant que vous allez commencer à pleurer, mais c'est le débit. On vous fera mourir. Ne craignez rien. Il y a des gens qui vont succomber dans cette histoire. Je te le dis, hein. Il y a des parents qui vont refuser le vaccin, qui seront arrêtés, frappés, mis en prison dans les centres d'hébergement. Maintenant, les nations africaines, dont le président de la République, refuseront d'aller prêter allégeance au pape, au Vatican, pour appliquer les mesures barrières qu'on applique en Europe ici, pour rendre docile la population. Le test de docilité. Est-ce que tu sais que plus de la moitié de la terre est en confinement? Un homme a décidé de cela. Il s'appelle Bill Gates. Un homme a emprisonné la moitié de la population à la maison. Nous dormons tous à 21h. Continuez à lire, mon frère. Alors aussi plusieurs succomberont. C'est-à-dire ceux qui avaient refusé le vaccin, à un moment donné, vont dire, dis mon frère, Bapé Sara Boran. Moi, na maman, Kobuka na te yoka li solo Maman Justovitz, yende coach le posu ya nzoto na bino. Aye na bakisi, ozo traité ba tempo. Banduta, babo kona nenga nenga ope sa kambino pe bo soto na kati ya nzoto na bino Loko la poche des yeux, ridna elongi. Vieillissima, o profite na cash ne okoma kobo melongi. Okoma koke la nzoto na osoni. Kobuka na te, luka kaka maman Justovitz. Okozonga leke leke, mwete mwete. Kou, maman nanga ye. Babi maman Justovitz, azo soigne nyon so etali lo posu yanto tonabino. Yon moutobete la batampo. E sala kezanvete si la kate. E lo nye nzuluka. E koma loko moutbatoume na depo makala. Yaka pote bi dote azaka ka moko. Koch azaka ka moko. Kozoye eza nango fasil. Azape na Facebook, WhatsApp, basit nyon so internet. So ki yo lingon zo wapodu na ye. Livraison dans WhatsApp partout dans le monde. Tobeta www.disnovit.com. Associé à la paix intuitive. Tobenga biso awana +44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu +44 74 24 025 737. Balapa. Posons le fond. Ah, Seigneur Jésus. Non. Nous allons poser les fondements, mon frère. Est-ce qu'il existe vraiment des faux apôtres? Oui. Il existe des faux docteurs? Oui. Il existe des églises séductrices? Oui. Allez-y vite, posons les fondements. L'église à l'okouta la Kinshasa komi ebele ba mama nangai. Bayebi ko swabino e ba sala kanine. Fa ba somela bino drum. Ba somela bino sainte. Avec un talent qui fait la répétition à la maison, na ba cri à Bill Clinton que j'ai sali. Bongo soki louange bandi. Hey, maboko likolo, maboko likolo, maboko likolo. Wana yo, mayele nyo so longwe yo. Yo pola ni maboko likolo, maboko likolo. Ale muta kite la pesyo, abende pesyo pasa. Tuiyo, 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 tuiyo. Munda zui, kata 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 kata. Kata 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 kata. Tama bita, pra kata. Yo koti si loboko, aleluya. Opesi mbongo. Ba liye yo mbongo, ba te yote. Nakosi? Nakosi te yo. Le lot, c'est bene, c'est bene. Donc, tu vas rien mal souté. C'est bene bandi. Na pesimbo te na buron pela.
a commis modèle avec l'église de réveil. Voilà. Et n'a pas passé à moi. Bah, il y a bien. Et voilà, ça, elle est l'église de Zotalaï. À ce poussin. À ce poussin. Voilà ton bruit, le bon, à ce c'est un passage. Passage, c'est une énergie. Ton loba. Ton coloba. Si vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez un mot, apôtre Paul. Tanga sikoyo, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Posons le fond. Le fond. Avalons les roues. Le roule. Ba pasteur rebelle. Ba pasteur Kumukanga. Vous avez un diabète, yaka. Vous avez un mbasu, nabikisaka maladie nyonso. Mais depuis Covid et bandi. Na monia ta pasteur moko tele ki na TV o abiki saka Covid. Moko na limeta sobe la grippe makasi hein. Ba ningo bisaba tuti. Côté industriel, ana grippe. Lisons la parole de l'Éternel. Comment ça na te? Nous sommes dans la dimension que personne ne vous séduise. C'est le mystère de l'apostasie tel que stipulé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 3 verset 4. Donc il faut retenir les écritures parce que nous évoluons. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, dans le cadre d'appuyer Matthieu 24, 3 à 4, et 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, la Bible dit ceci. Papa, tant qu'on a interprété la lingala. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Batouana, ma benga rabino bolanda matière, ma boko likolo, ma boko likolo. Bazari ba apôtre yaloku, yalokuta, ngam na lobite. Des ouvriers trompeurs. Bazabana misala, oye bazana lokuta na munoko na bango. Déguisé en apôtre de Christ. Balate kabilamba, bate école pastorale, basimbi Bible, basolo bapelo kola basali yanza, yanzambe. Mam na lobite, c'est la Bible qui le dit. La Bible ajoute quoi? Et cela n'est pas étonnant. Ne soyez pas étonnés, vous dites, oh, comment sur lui, il est un apôtre qui est faux. Comment il a beaucoup de gens à l'église? On vous avait dit que le nombre de gens à l'église détermine l'authenticité du Saint-Esprit. Si tu vas à l'église, là, ici, le pasteur est en Zambé. C'est que vous êtes comme en Zambé. Pour vous, la salle est plein. JB, plein. Kofi, plein. Zaïkola, plein. C'est que ça, c'est l'église. N'a pas si tu as une beauté. Puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Bah, le bio, quand là, on a beaucoup de choses, on a tout mis à Zébisayo. Nili. Nili. Nazo, Yébisayo. Tata na yo mutazo kanga kobota na yo. Yo malamoko na tongo la muki. Papa kebala ngai. Kebala ngai papa. Malobi ke le diable se déguise en ange de lumière. Ako yo na butu na forme ange la ti pembe. So ngo ye ba bien. Tango koloba na yo. Tala makomi. Est-ce que likambazo bi sa ko na makomi? Muta ke no bano ke tata na yo na mama na yo, ce sont des sorciers. C'est eux qui bloquent tes enfants. Erba zala ki ko bimisa na ribumu. Oh, papa, bimisa yo pousse, pousse. Kindo ki wane vwande la ki yote. Eko vwande lo kaka tango koli. Tango tika bilamba, tika mamba. Et moutouma wana la maison, il dit non. Frère Roger, c'est vrai. Nous, notre maman est sorcier. La Bible dit quoi? Dans le livre d'Ephésiens, chapitre 6, le verset 12 au verset 18. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tobouni sa ramakina la maïté. Mais nous luttons contre les principautés, les autorités. Les esprits, mais ceux qui sont dans l'espace, c'est ça. Mais je reconnais que le diable peut passer par quelqu'un pour déranger quelqu'un d'autre. Alors il ne faut pas attaquer la personne, il faut attaquer l'esprit. Yes. Ça, c'était pour démontrer que ce sont des faux apôtres. Maintenant, symboliquement parlant, dans le langage d'Apocalypse, le mystère de l'apostasie est démontré dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6. C'est là où je vais énumérer les quatre éléments. On entre directement dans le mystère de la pose, de l'iniquité. Mais à Ozokendekuna, partout en Europe, aura pasteur, d'abord, je vous donne un conseil. Si vous voulez connaître qu'une église de réveil, bon, église en Europe, le bacard de réveil, mais là, ici, c'est tout pongi na Kishasa. Au moins, tu as comme il y a deux églises de réveil. Mon corps président Nango, Oba Futaki, le révérend Sonny Kafuta Rockman. Si le président Sonny Kafuta Rockman, c'est le président, on a dit que c'est lui le représentant des églises de réveil au Congo.
Mais pendant qu'on est en train de parler ici, il y a encore un deuxième président Eli. Dodoka Kamba Israël. Donc on se retrouve avec la situation pendant qu'on évite Makamamboko, on se retrouve dans la situation de Joe Biden avec Donald Trump. Martin Fallou place à fin de Bibaka Fallou Bangaï. Ah, papa. Là, le bayo. Hey. Papa, Banga limité quoi? Destination prison. Passons le fond. Maintenant, ici, Lokola, on a démontré clairement. On parle plus. Les amis, je vais mettre un point in bémol là. Lorsque vous me voyez parler en lingala, ne vous sentez pas gêné. Prenez seulement une pause de respiration. Je ne fais que traduire en lingala parce que cette émission est suivie ici aussi sur TNT dans ma chaîne Roger Baka Télévision. Donc, ne vous gênez pas et ne vous sentez pas dérangé. Donc, rentrons ici. Apocalypse chapitre 6. Dans Apocalypse 6, nous annonçons les quatre éléments qui sont appelés, s'il vous plaît, dites bien à Marc Tabou qui m'a demandé que Balukanga Bebisangaï. Marc, les quatre éléments que je vais citer, ça s'appelle le phénomène des débuts que vous allez connaître en Europe. Ça s'appelle le commencement. Ce n'est même pas la moitié. Ce que vous dénoncez là. Et on va le prouver. Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Mon frère, toi tu parles, moi j'interprète. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux. Et j'entendis l'un de quatre êtres qui disait comme d'une voix de tonnerre. Viens. Yaka. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Donne-nous un cheval blanc. Nous avons dit quoi par cheval blanc? Que c'est le message de Matthieu chapitre 24, verset 3. Que personne ne vous sait. Tel que complété par 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 3 à 4, les séducteurs. Mais aussi appuyé par quoi? Aussi appuyé par 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Le faux apôtre, le faux apôtre. Tu sautes là. Apocalypse, chapitre 6, le verset 3. Deuxième saut. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis les seconds êtres vivants. Nayoki Mutombo, Yami Bala Gangi. Viens. Yaka. Et il sortit un autre cheval rouge. Namoni punda ya couleur rouge. C'est lui qui l'est monté, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Mutamata kiango, azwa kinguya, yango la kimia namoki. Comme on a enani, la guerre. Yaliboso c'est le faux Christ, yami balé c'est la guerre. OK, kanga biloko yami balé. Siko tiens point na Bible na yowana. C'est la plus grande c'est le plus grand travail de la Bible. Concilier les écritures. Le premier parle de faux Christ. Le deuxième parle de la guerre. Maintenant, comme c'est Jean qui a écrit ce livre, Ephésiens 2, 19 à 21, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Si Jean a parlé, la pierre angulaire doit aussi pas. Rentre maintenant dans Matthieu chapitre 24. Lis-moi le verset 4, 5, 6, 7. Et tu verras qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce qui va advenir maintenant en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie. Parce que ces gens, cette oligarchie, le nouvel ordre mondial, va commencer à exécuter ses plans. Lisons. Matthieu chapitre 24. 4. 4. 1. Jésus leur répondit. Yesoyano libango. Prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà. Prenez garde que personne ne vous sait. Lis maintenant le verset 11 pour compléter la séduction. 11. 1. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. 1. Ça va le coup de Barobi. Tu commandes à la prophète et à la majorité. Nous avons même le prophète de FCC. Ah non. Il y a aussi le prophète de Cash. Il y a aussi le prophète de la Mouka. Ah, bientôt. Il y a aussi celui d'Ensemble. Ça. Un prophète de Dieu ne peut pas avoir une coloration politique.
Un mandaté de l'Éternel ne peut pas appartenir à une classe politique. Dès lors que tu entres dans la politique, tu as renoncé au ministère majoritairement connu de Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Quand les gens viennent te voir, parce qu'ils veulent rencontrer l'époux, Jésus-Christ est de nom. Mais ceux qui ont commis la sacre, Yab Sabinoko. Sérieux, Sabinoko. Pasteur, tu as délibérément abandonné la parole de l'Éternel. À ce moment-là, toutes les personnes qui suivent un tel homme ne sont plus des disciples de Dieu. Vous êtes devenus des fanatiques d'un pasteur. En lingala, bandiminaye. En fait, ce n'était qu'une bémol. Mais rentrons. On dit, le faux Christ s'est manifesté par quoi? Matthieu chapitre 24, verset 4 et Matthieu chapitre 24, verset 11. N'oublie pas le complément de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Avalons les roues. Ici, c'est la parole de Dieu de Gounangaye. Kabilo ko wana zo sala papa, zo fingi sa nzambe. Kande nzambe yaka malembe meko simba yo. Nalupe nabino ko wana sepele nenga mabunda lungwe, nenga lungwe, papa. Les gens sont venus chercher Jésus-Christ et tu commences à leur parler de la politique. Mais moi je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez que ceux qui nzambe bête yo une fois, c'est parce qu'elles ont préparé à ma kasi koleka. Si tu ne changes pas, cette facile peut te prendre le souffle de vie. Mais malheureusement, les fanatiques sont là à l'église. Et quand on parle comme ça, on m'a mis. Oh, pasteur Roger Baga parlait mal contre toi. Je suis en train de prévenir quelqu'un des exactions qu'il commet de peur de tomber sur ce qu'on appelle Jérémie chapitre 23, le verset 20 au verset 23. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. Il frappe une fois, il te laisse par amour et par compassion de lui-même. Papa Tobi Makuna, Toko Tana, deuxième. Le deuxième cheval a dit quoi? Montez-nous le cheval rouge. N'est-ce pas? Mais le cheval rouge, nous avons dit c'est la guerre. Bon, maintenant, si tu rentres dans Matthieu chapitre 24, lis-moi le verset 6. Vous aussi vérifiez si ce que j'ai dit n'est pas biblique. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 24 et 6? Ok? Vous entendrez parler des guerres. Bon, quand il y a un peu de l'habitou, il y a du tout. Et des bruits de guerre. On va jusqu'à la guerre en Wango. Donc, Matthieu parle de la guerre. Voilà comment la Bible se complète par elle-même. Pas question de traîner. Parce que le nouvel ordre mondial est composé des élites qu'on appelle dans le billet de dollars l'oligarchie. Prenez-moi le billet de 1 dollar. Jordan, pèse un billet de 1 dollar. Oui. Zoumé la bise sur quoi? Pyramide dans les anasima. Voilà. Regardez au-dessus de la pyramide, il y a un triangle petit avec un nez à l'intérieur, dont les lumières se propagent dans tous les sens. Ça s'appelle la domination mondiale et le contrôle de toute l'humanité. Les gens qui ont inventé cette affaire, qu'on ne veut pas citer les noms, Maladioyo, Otobango Teko Tenga Kombo, ils ont l'objectif de la dépopulation mondiale. Ça s'appelle dans le langage Nabongo le Great Reset. Compteur à zéro. C'est-à-dire qu'ils veulent remettre tout à zéro. Il faut diminuer la population mondiale de 8 milliards à 3 à 4 milliards pour faire le gouvernement mondial. Je vous ai expliqué tout cela. Maintenant, pour atteindre cet objectif, je vous avais dit, sixième mois, 2020, il y aura une nouvelle variante qui sera appelée Covid-21. Là déjà, en Angleterre, les frontières sont fermées. Bientôt, l'OMS va déclarer officiellement l'existence d'une nouvelle variante appelée Covid-20. Maintenant, allons vers le troisième cheval. Le troisième cheval a dit quoi? Ah, ma kambanzambe. Ah, Jésus. Nous allons prêcher la parole. Amen. Maintenant, dans Apocalypse, au chapitre 6, l'ouverture du 15e saut, troisième, hein? Le verset 5 dit quoi? 6 et 5. 5. Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant. Nayoki mutumo kwa saki na bomo ya gangi. Alobi makasi. Viens. Yaka na mukili. Je regardais et voici paru un cheval noir. Namoni punda moko ya mwindu, c'est là. Papa, pesa biso punda ya mwindu ko. C'est ça comment te coder. Vous savez, le livre d'Apocalypse est un livre que les gens évitent beaucoup à cause de son caractère symbolique. Maintenant, nous, par la grâce de Dieu,
Nous sommes en train de décoder cela. Cela devait faire la joie des peuples de Sion. Le cheval noir veut dire quoi? Suis. Le titre, on a dit c'est la famine. Mais où est-ce que Matthieu le stipule? Matthieu chapitre 24. Lis-moi toujours le verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu 24, 7. Voilà. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux. Et quand ça la bisi kebele. Des famines. Banzala. Des tremblements de terre. Pema bele koningana. Écoute-moi très bien. Dans les jours à venir, oracle de l'Éternel, une grande crise alimentaire va frapper. Au point où l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Australie vont officiellement dire à la population, nous ne sommes plus en mesure de servir la population en besoin de première nécessité. Dans les jours à venir, vous le verrez. Économiquement parlant, l'oligarchie qui est le nouvel ordre mondial va procéder à la confiscation des terres et des fermes pour empêcher la population de s'autosuffire en production. Vous le verrez dans la suite des temps. C'est ce qui va provoquer dans la suite des temps la famine partout dans le monde. Maintenant, le message du troisième saut est complété par Matthieu chapitre 24, verset 6. Maintenant, entrons dans le quatrième saut. Quel cheval? Maintenant, on va ouvrir le quatrième saut. Je t'informe que les quatre sauts font partie d'un tout. Je crois que c'est la quatrième fois que je le répète, n'est-ce pas? Maintenant, les gens croient que tout ce que je viens de dire, ce sont des choses qui viendront et passeront. Non, ça vient, ça s'accumule. Jusqu'au quatrième saut, tous les quatre constituent le phénomène du commencement. Ce n'est pas encore la moitié. Mais quand je dis c'est le commencement, les gens disent, oh, frère Roger est en train d'effrayer les gens. Si j'effraie les gens, lis-moi le quatrième saut et vous allez voir ce que la Bible dit. Pensons le fond. Avalons les roues. Lisons. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième saut, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Attends, le cheval est de couleur pâle. Donnez-nous. On a dit pâle. Si tu ne maîtrises pas la couleur pâle, c'est la couleur de la décomposition. C'est la couleur qu'on appelle généralement verdâtre. Verdâtre, c'est vert. Le cheval doit avoir la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur de la décomposition de l'être humain. Donc, ce cheval vient maintenant pour augmenter la décomposition. Il y aura beaucoup de morts. C'est lui qui le montait. Ouais, Matakiango. C'est nommé la mort. Comme on a un koufa. Et le séjour de mort l'accompagne. Yoka. Papatou, il y a des gens qui disent, rien ne va nous arriver en Europe. Nous sommes des dieux. Papa, quand la mort voulait frapper en Égypte, on avait demandé aux enfants d'Israël qui croient en Dieu de se cacher où? De se cacher dans la maison de Moïse. Parce qu'ils étaient là comme des esclaves. Mais l'ange de la mort devait passer le matin. Prenez le sang, placez sur le linteau de chaque porte. N'est-ce pas? Maintenant, quand la mort passait, est-ce que la mort frappait dans la maison là où il y avait le sang? Alors vous, on vous dit, le 15 février, faites un effort de quitter, vous donnez des arguments. Et les gens veulent que Dieu puisse éclaircir la prophétie. Mais lisez ce que la Bible dit et vous comprendrez que la mort va frapper. Maintenant, certains disent, ah non, nous allons rester en Italie. C'est le proverbe des animaux infectés. Ça s'appelle encore comment? Les animaux malades de la peste, certains vont mourir, d'autres... C'est là, la bouche, souvent, il a de l'orgueil. Hein? Et là, j'ai dit merci à mon frère Marc. Hein? Voilà, il a dit, mon frère, je t'avais insulté. Moi, j'avais dit, tu es devenu fou. Mais aujourd'hui, mon frère, nous sommes bloqués ici, papa. Maintenant, on a dit le séjour de mort, là, con. Donc, le séjour de mort va prendre de l'adresse. Il va se déplacer des cycles infernales. Il viendra installer à Paris.
il cherchera un arrondissement là, il va s'asseoir. Le séjour de mort viendra s'asseoir officiellement aux États-Unis. Il viendra s'asseoir. On a dit qu'il quitte là où il est. Il viendra avec un cheval pour transmettre un message aux habitants des mondes occidentaux. On ajoute quoi? Le pouvoir leur fut donné. Le pouvoir leur fut donné. Sur le quart de la Terre. Sur quand? Le quart de la Terre. Le un quart de la Terre, papa. La population mondiale est estimée à combien? 8 milliards. Ceux qui sont capables de calculer. Si vous voulez faire le calcul facile, vous négligez tous les zéros. Vous prenez seulement le premier chiffre qui est 8. Vous le divisez par 4. 8 divisé par 4 égale, sans crainte d'être contredit, avec une certitude mathématique, égale 2. C'est-à-dire, avec cette histoire de vaccin, avec cette histoire de pandémie, Donald Trump est chassé rapidement parce que le premier pays qui finance l'Organisation mondiale de la santé, c'est les États-Unis d'Amérique. Il a retiré les États-Unis. Alors tous ces francs-maçons, 33e degré, se sont rassemblés avec le soutien de Babylone la Grande, à savoir l'Italie, à mettre Donald Trump dehors pour que Joe Biden vienne achever le programme. Il faut... Bill Gates a dit, il va vacciner pas moins de 2 milliards de personnes. Donc, si vous faites bien les calculs, ça tombe sur 2 milliards de personnes vaccinées qui vont mourir. Vous ne comprenez pas que la Bible est claire dans l'Apocalypse. Pourquoi vous continuez à douter? Ça vous coûte quoi? Quelqu'un me dit, ah non, mes enfants ne refusent. Mes enfants disent qu'ils ne vont pas rentrer en Afrique. Vous voyez comment vous avez perdu l'éducation africaine. Vous n'avez pas réussi l'éducation. Maintenant, vos enfants ont une éducation extravertie. Un enfant que toi, tu as mis au monde, africain de nature, Muntu, tu as quitté le Kimuntu, tu as pris tes enfants, tu as largué sous la... Maintenant, on va vous arracher les enfants. Si tu as des enfants en Allemagne et que toi, tu vis en France, on constate que les enfants sont restés comme ça, on prendra ces enfants-là. Primo, les filles seront lancées dans la lesbianie, le pédérasme et beaucoup de pratiques sataniques. De deux, la pornographie sera autorisée officiellement. De trois, la chiche, l'opium, la drogue sera autorisée en droit pour alléger la souffrance, le stress des gens par rapport aux phénomènes qui vont venir.
4. L'euthanasie sera appliquée après la vaccination des corps médicaux afin de les effacer tous dans 6 mois et remplacer les infirmiers, francs-maçons qui vont tuer les gens. La deuxième classe qui sera vaccinée, ce sont les personnes au-delà de 65 ans. Dans le processus de la dépopulation mondiale, il y a des allocations qui sont attribuées aux hommes de vieillards. C'est parmi les charges qui coûtent énormément aux économies européennes et américaines. Il faudrait les effacer. Mais pour les effacer, il faut donner le vaccin aux gens de 65 ans. En même temps, demander à la classe médicale d'apprécier qui ils vont soigner, qui ne vont pas soigner. Oracle de l'Éternel, il viendra dans la suite des temps. Les hôpitaux vont refuser de recevoir le malade. Le médecin va choisir qui il veut, qui il ne veut pas soigner. Au cas contraire, il décidera de qui faut-il tuer pour diminuer le nombre de malades à l'hôpital. Il lui fit donner le pouvoir de tuer les quarts de là. Bon, la question se pose. Hein? Pour citer. Mais vous ne comprenez pas. Quand les gens commencent à prendre les vaccins en Belgique, en France, et partout ailleurs, ils prennent les vaccins. Vous connaissez le but pour qu'on donne le vaccin? C'est pour qu'en contrepartie, on va créer une classe de gens qui ont le vaccin, que le gouvernement va prendre comme étant une population à prendre en charge. Ils auront accès facile à la banque. Ils auront accès facile aux compagnies de communication. Ils auront un accès facile au voyage extérieur et à l'intérieur de la nation. À ce moment-là, ceux qui n'ont pas pris le vaccin vont devenir et vont se sentir marginalisés, bloqués. Et cette pression fera que certains succomberont. Mais c'est écrit où? Le voisin accusera son voisin de n'avoir pas pris le vaccin. Matthieu chapitre 24. Nous arrivons à la fin. Mais avant que nous n'arrivions à la fin, je vais donner encore l'énigme d'un grand prophète majeur. C'est par là que nous allons commencer et continuer la prochaine fois. Matthieu chapitre 24. Lis-moi le verset 8, le verset 9 et le verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 8. 1. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela. Non, pasteur des données. Je ne sais pas si on se comprend. On a dit tout cela. Il y a combien d'éléments ici? On a cité combien de sceaux? 4 sceaux. On dit maintenant, tous les 4 sceaux constituent un tout? Mais ici maintenant, Matthieu dit, tous les tout que vous avez dit là, ça ne sera que le commencement de la douleur. Donc c'est-à-dire qu'en Europe, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Les 4 que je viens de citer là, ça se fera avant l'enlèvement. Mais maintenant, ça ne sera que le commencement de la douleur. C'est maintenant que vous allez commencer à pleurer, mais c'est le débit. Lis-moi le verset 9. Alors on vous livrera au tourment. On vous livrera au tout. Au tourment. Qui sont livrés au tourment? Ceux qui sont livrés au tourment, c'est la catégorie de personnes qui ont refusé de prendre le vaccin. Ils seront tourmentés. Comment tourmentés? Pas de voyage, il s'en va. Pas de banque, s'en va. Pas de crédit, s'en va. Pas de carte bleue, s'en va. Pas de visa, s'en va. Maintenant, tu es tourmenté. Voilà comment on interprète les Écritures. Ajoute. Et l'on vous fera mourir. On vous fera mourir. Ne craignez rien. Il y a des gens qui vont succomber dans cette histoire. Je te le dis, hein. Il y a des parents qui vont refuser le vaccin, qui seront arrêtés, frappés, mis en prison dans les centres d'hébergement. Ajoute. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause des morts. Maintenant, le peuple qui ne voudra pas, de l'Apocalypse 13 et 18, le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 660. Ceux qui vont refuser cela, avec la bête qui monte de la terre, Apocalypse 13, 11, la bête avait des cornes. C'est-à-dire, l'État sera la religion. La religion sera le. Maintenant, les nations africaines, dont le président de la République, refuseront d'aller prêter allégeance au pape, au Vatican, pour appliquer les mesures barrières qu'on applique en Europe ici, pour rendre docile la population. Le test de docilité.
Est-ce que tu sais que plus de la moitié de la Terre est en confinement? Un homme a décidé de cela. Il s'appelle Bill Gates. Un homme a emprisonné la moitié de la population à la maison. Nous dormons tous à 21h. Continue à lire, mon frère. Alors aussi plusieurs succomberont. Alors aussi plusieurs aussi. C'est-à-dire ceux qui avaient refusé le vaccin, à un moment donné, vont dire, ah, dis mon frère, Bapé Saga Boran. Bapé Saga, donnez-nous seulement le vaccin. Ils ont si. C'est ici la persévérance des saints. Et je te dis que tu verras quelqu'un qui habite à Bourges, en France. Il appelle vraiment la police. Allô? Allô? Mila, notre voisin est sorti dehors. Les gens vont s'accuser. C'est moi qui te dis. Les gens vont commencer à s'accuser en Europe. Il va te dire, il va vaccin Pamba. Tu fais entrer quelqu'un dans ta maison. Allô? Il y a quelqu'un qui est entré chez lui. La trahison va commencer maintenant. Continue à lire, on va terminer, mon frère. Ils haïront les uns les autres. Ils vont se haïr les uns les autres. Hein? Lis, mon cher. 11. Non, on termine là-bas. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui a parlé de cette vision sous une forme globale? Nous allons conclure ici pour continuer avec lui. Mais nous allons pénétrer la semaine prochaine le mystère de l'iniquité. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agira comment? Fais-moi une dernière lecture pour que je donne l'illustration et on va prier. Daniel, au chapitre 2, le verset 7 à 8, nous concluons là. Ah! Que l'Éternel nous donne la force d'aller jusqu'à la fin de cette mission. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Daniel, chapitre 2, le verset 7, ah oui, lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Vision de Nabuchodonosor, la statue. Est-ce que... Voilà la statue. Okay. Statue, il y a un autre qui a interprété ce que... Pour la tocota, la novus, hors de ce clorum, jusqu'à ce que ton chité, ton le gouvernement mondial, nous allons le démontrer que cela appartient à Vatican. Rome, donnez-moi cette statue, s'il te plaît, Jordan, cette statue, cherche-le, la statue là. Lis 7-8, il a écrit quoi? 7-8. Il répondit pour la seconde fois. 1. Que le roi dise le songe à ses serviteurs. C'est-à-dire roi Lotindoto, roi Zoroba. Na Lotindoto, ce qu'on dernier a ce bisaye. Yebisanga, notongazani, toke. Et nous en donnerons l'explication. Comme ça, tu peux l'explication à notre roi. Le roi reprit la parole. Roi Zuma Loba Lobi. Alobi boye. Je m'aperçois en vérité. Namoni Benza Solo. Que vous voulez gagner du temps parce que. Hein? Vous voyez que la chose m'a échappé. Non, roi lobi boy, na lotindo. Wabi mukolo na kishaso yo, hein. To koma na niveau yo. Ke ba bengi si ba to limité quartier industriel. Ba zi ba tu a première rue. Ti na 17e combat spirituel. Ba zi ba pasteur misa to ba nyama na nzoto, les pasteurs qui font sortir les animaux dans les corps. Tous au stade. On invite dans la population les gens qui ont des maris de nuit. On vous amène au stade. Pasteur, toi qui fais sortir les démons sous la forme physique, produis-nous les maris de nuit ici. Quelqu'un qui souffre d'éléphantisme, Makole Vimba, maladie à Nzoko. Pasteur, apôtre, évêque, l'homme de la démonstration de la puissance, Bimizanzo, Nzoko. Obimisite Fimbo Kozwa. Nous collons comment notre tête va passer les là, va démontrer sa puissance au Katana. Roi Lobinaye, n'amoni que Bonibo gagne tant. Notre la loi tu peux expliquer en côté. Maintenant, beaucoup de côté en a expliqué Bino. N'a pas expliqué te. Bino va bien s'engager notre la loi. Quitte à mukier, t'as si donc vous ne me faites pas connaître le songe,
La même sentence vous enveloppera tous. Ah! Vous voulez vous préparer à me dire de mensonges? Non, Boliboko Sangai! Et des faussetés? Mambalokuta! En attendant que le temps soit changé, c'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Si quoi la taliba, tu vas te la mettre dans la TV dans la soukissia? Bala que ça a mis son tente! Bino, tu vas le bagarre, non, vous en maillez les, bakaza fantirie, tope sabino, devoir! Bon, ça la paix mission, bon, expliquer à tout ma camp apocalypse, non, n'a fait si ma verset, bon, relier naï, note à Daniel. Oh, Daniel, alors, t'as pas nakala. Na Apocalypse 6, na Matthieu 24, na 2 Thessaloniciens 2, na 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, bon, complétant la Matthieu chapitre 24, 1 à 4. Pensez à quelque chose. Ceux qui sont en 31, 30, bâtis qu'elle a des voir. Après tout, ça me Daniel est 31-32. Tout ce qu'il y a. 31-30. Tanga apôtre Ndele. Oh roi. Oh Mokonzi. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Alors, il y a une statue qui est là. Tu es comme Jordan, tu as vu ce que tu es là. Cette statue était immense. Et que quoi est-ce que tu et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. Et puis le était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Donc, mes sapinaya makolo, zaki na muna argile, na muna nini na? Fer. Na ribende. Bon, bon, tu as vu ce que tu as et loko ebomi musala nzambe, musala nzambe komi dernier travail des gens qui ont échoué. Après avoir échoué dans tout ce que tu as fait dans la vie, Maramoko Bambi, prophète avec le ministère prophétique de la colonne vertébrale de l'Éternel. Le ministère prophétique fougue à quatre options. Ah, Seigneur Jésus. Tout bon de là. Tout ce qui est quoi? Il y a une autre chose prochainement. Maintenant, Apocalypse 3, 8 est dit, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je vais ouvrir pour toi une porte que personne ne va faire fermer. Il y aura une tentation qui va frapper la terre. Je te garderai. Maintenant, pour être gardé, il faut appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Or, pour appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, il faut déclarer Romains chapitre 10, le verset 9, que celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, pour qu'il soit épargné de tous ces mouvements. La Bible dit qu'ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ésaïe 54, 14 à 17, c'est une promesse qu'il nous a donnée. Toute arme forgée contre toi sera nulle. Et ça, recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Alain de l'étude à Kies. Père céleste, au nom de Jésus, Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur indispensable de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit est sauvé aujourd'hui. Mon âme est sauvée aujourd'hui. Mon corps est sauvé aujourd'hui. Je suis une nouvelle créature. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Au nom de Jésus-Christ, les saints disent Amen. Saint-Esprit, prends en charge ce peuple. Dirige-le au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs dédiés, les galériens, c'est-à-dire l'homme qui vit dans la galère. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous, car nous sommes un corps. Sans vos aides, vos subsides, vos laptops, vos ordinateurs, vos assistances financières, nous ne serons pas en mesure de mener à bien cette œuvre. Que Dieu vous bénisse davantage. Et je remercie une famille qui est aux Antilles. Je me permets de ne pas citer votre nom. Ils ne sont pas congolais, ils sont français. Antillais. Mais ils ont dit dorénavant.
nous mettrons nos moyens et notre temps à la disposition du message prophétique de la RDC. Nous allons requalifier la majorité. Comme la majorité en politique a été requalifiée, nous allons requalifier la majorité. Plus de gens qui veulent parler de la prospérité. On a besoin maintenant de l'évangile éternel. Je décrète publiquement la gratuité de l'enseignement biblique. Vous savez, dans ce bâton, on te dit, mais t'es offrande de tes appels de fonte. Vous avez reçu gratuitement, donné grâce. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Retrouvez encore le prochain jour à venir. Si vous avez besoin de contacter l'homme de Dieu, n'hésitez surtout pas au plus 243 90 79 66 785. Ce numéro est écrit en bas de l'écran. Mais c'est aussi un numéro qui est sur WhatsApp. Donc au lieu de dépenser la carte d'Afrique, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Si vous m'appelez, vous ne me rejoignez pas, ne soyez pas inquiets. Soit je tourne une émission comme là, je ne peux pas recevoir le téléphone. Soit je prêche, voulais-je dire. Soit je donne un cours à l'université de la foi chrétienne. Mais si vous me laissez un message, je finirai par lire et je vous répondrai. Merci beaucoup. Alors faites le maximum de partage, vous qui suivez. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur nos deux chaînes respectives, Évangéliste Roger Bac à Télévision et Nouvelle Tendance Télévision. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Nous touchons à la fin de cette émission. Je crois que nous allons nous retrouver très très prochainement. Un grand merci à toute la grande équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui. Merci, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Start la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h, billetterie au point de vente habituel.